votre salle de classe, in your classroom, vous aviez votre ami qu'on appelait Solange. Quand vous faisiez la classe de seconde, quand vous étiez avec Jacqueline, cette fleur, elle venait dans votre terminale. Elle quittait la terminale B pour la terminale A. Hein? Elle quittait la terminale B pour la terminale A. Quand vous étiez à l'école primaire, sur votre maître qu'on appelait M. Guillaume, et sur votre camarade de classe qu'on appelait Nelly. Qui avait une camarade de classe qu'on appelait Faya? Faya. Faya. C'est qui? Faya. Faya. C'est qui? C'est une femme. Faya. C'est votre camarade de classe? C'était ma camarade. On l'appelait comment? Faya. On l'appelait comment? Faya. Hein? Faya Sidoni. Faya, Faya Sidoni, oui. Faya Sidoni. Faya, c'était votre camarade de classe? Oui, en classe de quatrième. Vous êtes marié? En quatrième. J'ai fait plus de 23 ans un homme. Vous avez fait? J'ai fait 23 ans avec un homme que le mariage est 23 fini. Ans. Oui. Mariage est fini. Oh là là. C'est triste. 23 ans le mariage est fini. Comment on peut vivre 23 ans avec une personne et se séparer de la personne? Moi, je n'ai jamais compris pourquoi les gens ne sont pas sérieux envers leur mariage. Vous ne me regardez pas dans les yeux. Je parle devant vous, vous regardez à gauche, à droite, pourquoi? Laissez-moi vous aider. Le Seigneur vous aime. Vous comprenez? Merci, Dieu vous aime beaucoup. Merci, papa. Vous voyez, quand vous étiez à l'école avec Faya, dis Seigneur. Seigneur, attendez, vous savez pourquoi le diable a peur quand je prends le micro? Parce que je dénonce les œuvres de la sorcellerie. Amen. Je dénonce les œuvres de la sorcellerie. Regardez. Quand vous étiez à l'école avec Faya, il y a quelque chose qui s'est passé à l'école là-bas. Elle avait une camarade de classe qu'on appelait Dada. Dada. Oui, papa. Qui était votre camarade de classe. Oui. Hein? J'étais sur le même banc avec Dada. Vous étiez sur le même banc avec Dada. Et Faya était devant moi. Et Faya était devant. Oui, vous aviez un professeur qu'on appelait Igor. Hein? Oui, il y avait un prof qu'on appelait Monsieur Igor. Oui, papa. Hein? Science nat. France, science? Science naturelle. Oui. On l'appelait comment? Igor. Igor. On l'appelait comment? Igor. Igor. Il y a quelque chose qui s'est passé. Faya était dans la sorcellerie. Faya was in witchcraft. Elle était dans la sorcellerie. She was in witchcraft. Et Faya, un jour, vous étiez assise avec Dada. Faya était assise avec Christelle. Hein? Faya était assise avec Christelle. Christelle qui était l'adjointe au chef de classe. Hein? D'accord. D'accord. Et quelque chose s'est passé. Faya a pris le nom de Igor parce que c'était un professeur très gentil. C'était un prof très gentil. C'était le professeur le plus aimé. On l'appelait le séducteur. On l'appelait le séducteur. Oui, papa. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose. Dans la classe, Igor sortait avec l'une de vos camarades de classe qu'on appelait Myriam. Hein? Il y avait une camarade de classe qu'on appelait Myriam, Mariam. C'était une fille musulmane. Et Faya aimait Igor. Elle a appris que M. Igor sortait avec Mariam. Et elle est allée dans la sorcellerie avec le nom de Igor pour vendre Igor. Après, Igor est tombé malade, sérieusement malade. Son corps a commencé à pourrir. Il a été paralysé et il est mort. Regardez la femme-ci. Pourquoi je lui raconte l'histoire là? Pourquoi je lui raconte ça? Pourquoi mes amis? Parce que Faya avait pris votre nom. Vous aussi, parce que vous étiez une fille très sollicitée en classe. Les gars mouraient derrière vous. Vous ne parliez pas beaucoup. Vous étiez une fille prestigieuse, calme, très belle. Avec, je dis, vous êtes toujours belle. Hein? Donc, très belle en classe, très intelligente et calme. Et tous les garçons vous aimaient. Faya a pris votre nom, elle a mené dans la sorcellerie. Mais attendez,
Vous aviez une fille qu'on appelait Evelyne en classe. Et Evelyne, hein? Oui, Evelyne, c'était l'enfant du surveillant général. Elle était dans votre classe en quatrième. C'était la fille de votre surveillant général qu'on appelait Monsieur Georges. Georges Anon. Evelyne était une fille croyante. Elle n'était pas trop dans le désordre et tout. Et cette fille vous aimait tellement. Et dans un rêve, elle vous a vu. Elle a vu ce que Faya a fait. Dieu lui a montré cela. Et Evelyne a pris un temps de jeûne pour vous. Elle a prié pour vous. Elle a prié. Elle ne vous a jamais dit ça. Elle a prié pour vous. Elle a prié pour vous. Écoutez, écoutez mes amis. Que Dieu expose les ennemis cachés de nos vies. Que Dieu les expose. Que Dieu les expose. Faya. Faya. Evelyne a prié pour vous. Elle a intercédé pour vous. Elle a pleuré devant Dieu. Quand elle a vu le rêve, elle a prié. Elle ne vous a pas parlé de ça. Faya a voulu vous atteindre. Les prières d'Evelyne vous ont sauvé la vie, madame. Sans le savoir. Ces prières vous ont sauvé la vie. La jalousie gratuite. Vous aviez un voisin derrière vous. Un jeune garçon qu'on appelait Martin. Martin. Hein? Martin, c'était à Martin ou c'est à Sono ou c'était Esono ou c'est à Sono Martin. Esono. Esono Martin. Oui, papa. Et Esono Martin était un gars que les filles regardaient beaucoup et ils vous aimaient. Ils vous aimaient. Et à l'époque, vous aviez de longs cheveux. Vous aimez, vous mettez la barrette comme ça, avec de longs cheveux. Et parfois, ils touchaient vos cheveux en classe. Ils touchaient pas derrière, vous retournez. Ah, laisse-moi, ne me dérange pas. Elle dit, oh, bébé, oh, c'est toi que j'aime dans la classe et tout. À cause de Martin et Sono, Faya a toujours voulu vous faire du mal. Mais Evelyne a prié pour vous. Ça fait que ça n'a pas annulé tout ce qui a été fait par Faya. Mais ça a atténué. C'est pour ça que votre mariage n'a pas réussi. Parce que c'est une malédiction que vous portez depuis la classe de quatrième. Maintenant, laissez-moi vous poser une question. La femme, si elle n'était pas venue à l'église, est-ce qu'elle aurait été bénie? Est-ce qu'elle aurait su ça? Est-ce qu'elle aurait su ça? Madame, Dieu me dit de vous dire ceci. À partir d'aujourd'hui, cette nuit, votre vie vient de s'ouvrir. Amen. À partir d'aujourd'hui. Oh, c'est la mi tanner. Merci Seigneur. Merci Yahweh. Merci papa. La femme si a une richesse. Dieu m'a dit de vous dire, c'est pas encore fini. J'ai trop souffert de ma vie, papa. Trop de souffrance. Regardez. Si je vous dis, si vous allez croire. Je vous ai parlé des choses cachées de votre vie. Passé. Maintenant, je vous parle des choses à venir. Papa. Vous, oui, papa. Dieu va vous surprendre. Dieu va vous bénir. Et je vous ai vu dans les affaires internationales. Je vous ai vu voyager. C'est sa destinée devant Dieu. Ça, c'est une femme d'affaires internationale. Papa, j'ai fait une affaire qui n'a pas marché. Hein? Quand vous parlez international, ça m'a révélé de vous dire une histoire. J'étais ici la dernière nuit de flamme avec ce papier parce que je suis infirmière, mais le mariage m'avait tellement torturé et il m'avait empêché de travailler. J'ai perdu même mon matricule, je ne travaillais pas. Avec trop de souffrance, je vends les médicaments. Et puis j'étais tellement sollicitée, mais chaque fois, il venait souvent passer ma caisse, il me tape pour gâteau. Vous suivez ça? Comment l'homme qui prétend t'aimer te tape? J'ai dit, si un homme tape, on ne tape pas la femme. On ne tape pas la femme, mes amis. On ne tape pas la femme. Bon, vous les femmes aussi, papa avec les longues bouches là, convertissez vos bouches. Amen. Oui, maman. Papa, j'étais en train de vous dire que, et puis, un blanc avait...
J'ai passé sur ma photo de profil de Facebook. C'était dans ma programmation en fait. Donc, quand il s'est intéressé aux médicaments, il a commencé à changer avec moi. Il m'a dit qu'il voulait faire dans les algues de mer, le concombre de mer. Et scientifiquement, on appelait ça les algues de mer. J'ai mis de l'argent, tout ce que j'avais comme argent dans cette affaire, qui sortait d'un village ici qu'on appelait Banquier. Jusqu'à ce que le produit devait venir, tout s'est arrêté. Il ne m'appelait plus, j'écrivais, il ne répondait plus. Tout s'est arrêté. Et il y a aussi une dame qui venait tout le temps dans la boutique avec moi, qui a aussi volé mon téléphone. J'ai perdu tous les contacts et je suis resté. Mais sinon, on avait déjà sorti la licence d'exploitation signée par le ministre. Et il m'avait expédié ça. J'ai cette licence-là à la maison. Mais c'est comme ça, vaguement, comme ça. Il y a un ange de Dieu qui vient devant vous. Il y a une saison devant vous. Vous savez, moi, quand Dieu me montre, si c'est mauvais, je vais te dire que c'est mauvais, si c'est bon. Donc si moi, je vous dis que c'est bon devant, demain, quand vous arrivez à la maison, reposez-vous d'abord, quand vous rentrez chez vous, après la nuit de flammes, quand vous vous réveillez, vous lavez, vous préparez une bonne nourriture, vous habillez en habit de fête, quand vous partez pour la fête, aujourd'hui. Parce que le Seigneur vient de déchirer les vêtements de la honte, de déchirer votre vie. Amen. Dans votre salle de classe, in your classroom, vous aviez votre ami qu'on appelait Solange. Quand vous faisiez la classe de seconde, quand vous étiez avec Jacqueline, cette fleur, elle venait dans votre terminale. Elle quittait la terminale B pour la terminale A. Hein? Elle quittait la terminale B pour la terminale A. Quand vous étiez à l'école primaire, sur votre maître qu'on appelait M. Guillaume, et sur votre camarade de classe qu'on appelait Nelly,